Bayonetta. Waouh. Mesdames et messieurs, bonjour. Ah, y a pas de son. Enfin, y a pas de musique. Intéressant cet écran titre. Très... Enfin, au moins c'est simple. Y a pas de... Bon. Voilà. Tu vas directement au principal. Bien, j'espère que tout le monde va bien. Bayonetta. Encore une petite fois. Bayonetta. Moins sexy que dans les deux premiers, hein. Le jingle. Enfin, j'espère que tout le monde va bien. 8 ans après le 2, nous voici. Putain, je l'attendais celui-là, je l'attendais depuis 8 ans. Bayonetta 3, le 2 étant une masterclass comme le 1. Nous voici, messieurs, dames. Merci Slyken pour le 6e mois et donc la triple carotte. Et il y a un autre sub qui n'apparaît pas. Je vais remonter dans le chat. Ce qui n'apparaît pas sur OBS. Merci Roro le Rominou. Voilà, heureusement que j'ai lu ton nom parce que putain, ça, c'est un pseudo charismatique. Allez, on passe par les options vite fait. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, je vais toucher à rien à ce niveau-là. Moi, c'est surtout... Voilà. En anglais, évidemment. En VO. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mode petit ange. Oh, c'est mignon. Active ce mode pour modifier certaines images du jeu. Réduit les représentations de violence, de sang et de nudité. Oh là 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 là. Regardez ce cigare qui n'affiche plus un scorpion, mais des petites... petites paillettes. Mon dieu. Mon dieu, cette censure. Le mode petit ange peut être activé depuis le menu principal et depuis le menu des options de la carte des chapitres. C'est hors de question. Voilà. Allez, je lance. Ah, alors facile, normal, alors facile. Pour tous ceux qui ont envie de jouer à leur rythme, les scores ne seront pas pris en compte dans les classements en ligne. Pour tous ceux qui n'ont pas peur de l'adversité, pour les habitués des jeux d'action qui cherchent à mettre leur talent à l'épreuve. Eh bien, comme d'hab, première run égale mode normal. Oula, votre petit ange, non, certainement pas. Non, non. Ah, la luminosité. Ah, très bien. Bah, ça me semble bien. Ok, c'est parti. Oh, les gars, je l'attendais tellement ce jeu, putain. Ouais. D'accord, c'est noté. Ah, bah oui, la best waifu. Alors, la best waifu, c'est Samus, attention. Mais Bayonetta est en deuxième position. Bon, y a pas de musique là, ça me déprime. When I was a kid, my father used to tell me something. There are no forks in the road of life. You just walk along, feeling your way through the grass and leaving a faint path behind. But if you turn around to look, you may get the strange feeling you've walked that path before. Si Luigi best waifu également, évidemment. Ça va de soi. Or that someone was walking along with you, lending you the strength to press on. Mais je commence à avoir un doute. J'ai désactivé les musiques ou quoi là? I'd always believed there was only one truth, but what if some other version of me on a distant world was searching for all possibilities? Oui, je pense. Arrêtez, vous me faites peur là. Ah non. L'ambiance arrive. And what if, when all the possibilities were overlaid, the path that stood out the clearest was the real truth? Bienvenue, Cotonza. Mets-toi bien. Ah oh bah non. Eh, hey, c'est la France qui avait fait ça. Ah, ça y est, ça commence. On se fait chier à leur faire des trucs, ils détruisent tout. Ah! Avocado! Ouais, c'est une suite. Enfin, je pense, j'espère. Logiquement, oui, c'est une suite.
Ouah, c'est Docteur Strange! Ça y est, ça commence. Alors, je peux marcher. Et là, je peux courir, ok. Bon, faut que je me réhabitue au bouton. Ok, A pour taper, au corps à corps. Ça, c'est pour tirer. L'esquive, c'est quoi déjà? Ok, l'esquive, c'est ça. Toujours une très belle personnalité. Ouais, mais attendez, mais ça commence fort là. What? Bon, quelque chose me dit. Ouais, je peux rien faire. Hein. Alors, je peux taper avec A. Coup de queue. Ah, ça rentre direct dans le vif du sujet, hein, on s'en bat les couilles. De toute façon, je pense que ça sent le combat. What? Pardon? J'étais un oiseau. Bon, ça sent le combat que t'es obligé de perdre. Hein. Alors, en tout cas, j'ai fait une esquive parfaite, c'est beau. Bon, faut que je me réhabitue au bouton là. C'est voulu à mon avis, hein. Qu'on comprenne rien, c'est voulu. Mais là, vu le style de Bayonetta, quelque chose me dit que ça se passe au cours du 1, ça. À moins qu'elle ait repris son ancien style. Oh, y'a du sang! Attention Nintendo, y'a du sang! Parce que dans le 2, elle était bleue, elle avait les cheveux courts. Bon, par contre, le sang peut être un peu trop... Je ne peux rien faire, les gars. Je ne peux rien faire. J'essaye de taper, j'essaye. Meurs. C'est vrai que d'ailleurs, dans le premier teaser du jeu, ce qu'on voyait, c'était Bayonetta qui crevait. Hein. Ah oui, effectivement, ouais, son grain de beauté, maintenant que tu le dis. Attends, ils ont enlevé son grain de beauté? Ça, c'est important. Mais ouais, elle a plus son grain de beauté. Ou alors, c'est la fin du 3, c'est une scène qu'on verra plus tard. Attention, ça rigole plus, on ne sait plus. Elle a pas le droit d'aller chez le dermato. Ah, c'est dommage. Grosse ambiance là pour ce début de jeu. Si vous me...
Si vous me faites une The Last of Us 2, ça va mal se passer, hein. Si vous me la butez comme Joël, ça va pas bien se passer entre nous. Si dès le début du jeu vous la butez, ça va mal aller là. Ah, c'est fini. Ah oui. Ah oui, c'était dégueulasse. Bon, apparemment le jeu a été ultra bien noté, ouais. Bon, sans surprise, j'ai envie de dire. Le 1 et le 2 étaient des masterclass déjà. On va voir. C'était une feinte! Oula, oula! Doucement, Nintendo, doucement! Doucement, Platinum! Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Tu mets 1€ dans le bocal à gros mots, Platinum Games. Ah sérieux, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était ce qui se passe dans le futur? Et là, elle va revenir dans le passé pour prévenir Bayonetta? Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, donc c'est comme ça quoi. Oula, alors attends. Rémanence temporelle. Alors, tu m'obliges vraiment à pencher la tête pour lire? Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Bon, au moins le jeu, c'est sûr, il s'en bat les couilles, quoi. Il te dit, vas-y, joue. On s'en bat les couilles du tuto. Bon, je suppose que c'est ça qu'il faut lancer. J'espère. Ah, entraînement. Oui, entraînement, s'il vous plaît. Alors. Donc ça, c'est le coup de pied. Ah, c'est le coup de pied. Ok. Ça c'est pistolet. What? Le coup de poing? C'est X? D'accord. J'aurais fait l'inverse moi. Pourquoi pas? L'esquive c'est bien ça. Elle taunte? Oh elle taunte! Attends, on se croirait sur Dark Souls. Très bien, bon de toute façon on va apprendre sur le tas en jouant. On n'est pas là pour faire des combos de ouf. Oh merde, putain, oh non. Oh sa mère, j'ai choisi la même mission. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. En plus, j'ai bien fait exprès de choisir le niveau qui était au-dessus. Parce que ça me laissait entendre que c'était la suite. Manque de bol, c'était l'inverse. Allez. Bon. Ah. Allô? Ah et ben non, comme elle est morte, du coup, il y a rien. D'accord, c'est logique. Sur le tas, comment tu parles de Bayonetta, là? Oh, je ne me permettrai pas, c'est la waifu. Avec Samus, c'est la waifu. Avec Samus, c'est le Goomba du monde 2 de Mario Bros. Le gros clin d'œil, j'allais dire le petit clin d'œil, mais. Ah, ah, un autre clin d'œil. Où est le lien vers ma chaîne YouTube, Platinum Games? Je vous avais envoyé un petit chèque. Il est où? Où est le mot Savon? Où il est? Discret. Ah, la voici. Avec sa nouvelle coupe de cheveux, du coup. Dans le 2, elle avait les cheveux courts, dans le 1, les cheveux longs. Et là, je crois qu'elle a deux petites couettes. Bon, ça va, le caméraman. Caméraman, ça va! Putain, Richard à la caméra, là.
Ah bah elle a son grain de beauté. Elle l'a, mais elle l'avait pas tout à l'heure. Étrange. Oh, attention. C'est un indice. Elle est de retour, lui. You know how much shit I had to go through for this thing? Oh! Ah! Allez, fais-nous une Peter Parker, voilà! Ça, c'est Spider-Man! Oh, wow! You have my deepest sympathies. But don't forget, it was you who agreed to do anything I asked in exchange for that job. Just because I said anything now, doesn't mean... let's be off. Putain, j'arrive pas à croire qu'on va jouer à Bayonetta 3, quoi. Depuis le temps, bordel. Meilleur beat dev up de ces dernières années, cette série. Enfin, l'un des meilleurs, du moins. Imagine un jour on jouera peut-être à Metroid Prime 4. Eh, hey, imagine. Peut-être. Ah, il est de retour. Avec sa voix charismatique. Pourquoi il a la casquette de Sacha dans Pokémon? Merci Predaslo pour le Prime. Ça c'est con. Ça c'est con. Non mais ça c'est pas très gentil ça. Ah bah c'est sûr que le jeu est pas très sexy hein. Donc on est sur Switch. C'est pas ce qu'on attendait. Oula. La voiture c'est un matelas le machin. Elle est stylée hein comme ça hein. Dans chaque épisode, elle change de coiffure, je me demandais ce qu'ils allaient faire. Bon, on l'a vu dans les trailers déjà, ça lui va bien. Elle est stylée comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les anges, les démons, où ils sont? Je veux casser la gueule aux anges, là. Ouais, c'est le début, ouais. On vient de commencer. Bah, il y a littéralement... Attends, 20 minutes? Mais j'ai pas joué encore! Ah, c'est malin! Oh waouh! Waouh! Putain, mais comment elle vole la vedette! C'est là que tu vois le personnage principal et les personnages. Les PNJ. Damn it. I know it's the same shit with her every time, but she still gets me by the short and curlies. Avant on tuait des anges, maintenant on va des vernissages. Bah. Faut bien changer tout. Ah, ça y est. Les ombres arrivent. Et là il y a Viola qui va arriver. Ou alors c'est une autre dimension, hein, ce qu'on a vu. Soit c'est le futur, soit c'est une autre dimension. J'avoue que j'ai pas trop... Je suis pas spoil l'histoire, j'ai rien regardé. Please,
Take me to her. Do I look like a damn taxi driver? You know me. Her who? Bayo. Whoa. Oh yeah, this. Oh, this. This is just what I needed. Il en prend toujours plein la gueule, hein, Enzo. Donc là, elle se balade avec un rideau, quoi. Oh. Ah, d'accord. Bayonetta fait 3 mètres ou quoi? C'est bien possible. C'est bien possible. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle est toujours pas cassée, ses lunettes. La meuf se fight contre des démons et des anges. Ses lunettes, elles ont rien. Ouais, je pense que c'est notre dimension aussi, moi. Bah, c'est soit ça, soit c'était le futur. On va voir. Parce qu'en fait, elle avait le même look que Bayonetta dans le 1. Et ça sent l'autre dimension, hein. Clairement. What a man! Le charisme du sac! Oh, le swag! Avec la petite casquette là! Ah ouais, alors lui il met un punch à un démon, il s'en bat les couilles quoi. On est sur ce niveau de badass. Minutes l'intro quand même. Ah bah. C'est un bordel. Ah, la fameuse petite cinématique pour chaque ennemi. Bon, en tout cas, niveau chorégraphie cinématique, c'est toujours aussi classe. Et Dieu merci, ils ont pas l'air d'avoir censuré les insultes et les côtés sexy. C'est un peu ce qui fait Bayonetta. Ah oui. Ça ne laisse pas indifférent. Non, on n'a pas fait Crash 4 encore. Enfin, je l'ai fait en off, mais pas en live encore. C'est moi qui joue, les gars. Hein. C'est moi qui fais tous ces mouvements classe. Regardez, hop. X, R2. Et je taunt.
Et là, il y a des mecs dans le chat. Oh, j'aimerais bien être à la place du méchant. Allez, c'est parti. C'est mon tour. Die, motherfucker! Merde, ça commence bien. Ok. Sauter, tirer, d'accord, on sait. Allez, c'est parti. Oh, le ray tracing! Petite esquive. Oh là 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 là, l'esquive. Les réflexes reviennent. Merde, je me suis fait niquer. C'est Spider-Man en fait. Alors l'esquive, faut vraiment que je m'y fasse, hein. Allô? Oh le bordel! Et je continue à jouer là, hein. Non, j'ai esquivé. Non, j'ai esquivé. Monsieur arbitre, je refuse. Je ne veux pas mourir dès le tuto, hein. Ah ça, je refuse. Petite esquive. Alors c'est effectivement, elle, elle a son grain de beauté, mais l'autre ne l'avait pas. Donc effectivement, ouais, c'était peut-être effectivement ce que je pensais, deux Bayonetta différentes. Dans l'autre dimension, elle a pas de grain de beauté. Ça change tout, attention, ça rigole plus. Getting a little too hot in the kitchen. Just give me my order before I lose my cool. Un petit trait de Gina. Ok, la couleur prédominante dans celui-ci c'est le violet. Dans le 1 c'était le rouge. Dans le 2 le bleu. Dans le 4 ça sera le vert. Je vous le dis les gars, ça sera le vert. S'il y a un 4, il y aura un 4. Salut The Samus One. Ah, on passe aux choses sérieuses. Et ma Regina, madame. Pizza time. Bon, l'intro est longue, mais au moins ça nous montre que niveau cinématique c'est toujours aussi classe. Ma calzone! C'est un vrai pro. Ah, ça c'est un vrai professionnel. Ah. Ah oui, alors eux ils ont l'air vénères. Ah oui. Ok, donc là je suis en forme démoniaque là. Ah non, pas du tout. More new faces, I see. Then perhaps a bit of fancy dress is in order. Ouais. Appuie sur B quand t'es en l'air pour planer, ok. Appuie deux fois sur ZR pour te transformer. Très bien, c'est parti. Ah d'accord. Oula oula, attends, y'a trop d'infos là. Attention à ce gros truc là, attention. Petite esquive. Caméra 2. Non, j'ai esquivé. Mais
Ouais, ils ont un équilibre de titan, hein. J'arrive pas à les sonner. Allez, ça dégage. Voilà, la caméra, là, j'ai du mal, hein. C'est un bordel, hein. C'est un bordel. Nouveau charme dévoilé, d'accord. Merde, Y, j'ai pas vu. Bon, merci, Dieu merci, devant les viewers. Je ne serai pas mort dès la première mission. Et c'est ce que j'ai vu, il y a une commande arrêt cardiaque, c'est quoi cette merde? Putain, j'ai eu du mal avec la caméra là sur ce fight, hein. Ah, c'est le Big Cheese! Cumulonimbus, unité tactique humanoïde lourde. On va lui casser sa gueule d'ange. Ah oui, il rigole pas lui. Attends, je vais me fight contre ça là? D'accord, très bien, c'est pas un problème pour moi. C'est ce qu'ils disent tous. J'ai verrouillé. Ah ok, c'est bon, j'ai verrouillé. Sache, Mouda Mouda. Ah donc l'esquive. Ah mais attendez, ok d'accord. L'esquive j'ai du mal aussi, hein. Quoi qu'il arrive, esquive. Putain ce bordel. On se croirait dans Dark Souls. Avocado! Allez Médor, nique lui sa chatte. C'est pas Gomorrah qui s'appelle, hein, c'est du fake, je l'ai appelé Médor. Ça va être dégueulasse. Je le sens, ça va être dégueulasse. Ah. Non mais nique-le. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté. Oh, il y a des choses cheloues qui se passent là. Oh, attention le cigare avec le petit scorpion là. Attention. That thing ain't from Paradiso. No sanctified seasoning means no deal. Ah. Better think fast, Bayonetta. Storms. Médor est cassé, ouais, il bug. Putain, c'est un bordel. Alors, j'avais imaginé une autre technique plutôt que danser, mais... That's one ancient honor I thought was lost for good.
pardon. What? Ah ouais, donc c'est le E de Yone, quoi. Pas du tout. Oh putain, tous les trucs. Oh, ok. ZL. Oh putain, appuie sur ZR pour une soumission pour révoquer instantanément le démon. Ok, d'accord. Ok, je le tape comme ça. Ok. Bon. Advienne que pourra. C'est un bordel. Allez, nique-le. Mords-lui les couilles. Merde, j'ai plus d'énergie. Non, j'ai esquivé, monsieur l'arbitre. Je suis désolé. Il y a un moment, il faut arrêter de casser les couilles. Hein. Enfin, il lui a massacré la gueule. Ça fait mal. Voilà, nique-le. C'est bien. Bouffe, bouffe la bite, poney. Bouffe la bite. Ah, je suis en gold ou en platine, là. Argent, tu te fous de ma gueule? On va te faire foutre. Qu'est-ce que je regarde? Je pense qu'on se le demande tous. C'est un peu le bordel. Plus que dans les deux premiers, du moins. C'est nous qu'on est les méchants. On va vous faire du mal. Écoutez notre musique flippante. Ah, le stand de Bayonetta est assez gros, ouais. Allez, niquez-moi ces connards d'humains, là. Pas les tentacules. Ah, il nous faut une Majin Buu. Ah ouais, il nous faut une Majin Buu. Elle a enchanté le bateau pour qu'il serve de shield. Elle le fait voler, c'est incroyable. Ça me fait penser à FF. J'ai pas eu le temps de lire. FF 14 ou 13, j'ai pas vu. Avec le Godzilla qui fonctionne comme les incarnations. Et accessoirement les graphismes. Voilà, je pense qu'on parle du 13 du coup. Ah, Jeanne! Notre sœur est de retour. Sachant qu'apparemment, il y aurait... Jeanne... Alors, Jeanne de Jouable, je sais pas, mais apparemment, on pourrait jouer Viola. On verra. Et Serge! Oh putain, pas les tentacules. Oh non. Pas de femme sexy et des tentacules. Je sais très bien ce vers quoi on se dirige. C'est hors de question. Let's
Allez, nique-lui sa mère. Oh, l'esquive. Non, je peux esquiver. J'arrive, Jeanne. Je peux pas faire le mouda mouda mouda. Putain, deux barres de vie, le salaud. Oh, les dégâts. C'est pas encore ça, les esquives, hein. Ok, là on est esquivé. Prêt, Jeanne? Oui, Serge. Merci, Jeanne. Ah bah elle m'a écouté. Ah bah non, pas Jeanne non plus. Le Ratchet & Clank, on le finira la semaine pro, je pense. J'ai trop pressé de jouer à ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, Kraken, d'accord, au calme. Carrément, le Kraken, ok. Oh là. Ça ressemble vraiment au début d'un Hentai, quoi. Oh non. Jeanne! Le bordel, mais c'est vraiment Doctor Strange là. C'est le bordel, mais la mise en scène est stylée. C'est quoi une taille? C'est un nouveau Pokémon. Je peux m'approcher ou pas? Ah non, je peux pas. Ah si, je peux le défoncer. Oh, l'esquive! Il est où? Oh, l'esquive. Ok, petite esquive. Les réflexes reviennent. Attention. Esquive ça. Oh, allez. Oh, le no hit. Ah non, merde, je me suis fait toucher une fois. C'est pas fini. Ok, j'ai pas esquivé. Je suis une merde. Trop tôt. Ah, le premier combat est stylé, hein. Ils sont donnés, hein, niveau mise en scène par contre. Ah, la musique! Enfin, c'est un remix. Mais ça commençait pareil. Madame Butterfly! Ça fait longtemps. Allez, allons lui casser sa gueule. C'est moi qui joue, les gars, là.
Mouda, 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 mouda. New York totalement anéanti. Effectivement, on peut le dire. Bon, après, la plus grosse perte dans cette histoire, c'est pas les millions de vies qui ont été retirées, hein, c'est bien le cassage de la Statue de la Liberté. Oh, un or. C'est beau, ça. La plus grosse perte, c'est la casquette pingouin. C'est bien vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. Ah oui, Entai et Suikun, on connaît. Ah. Technique, celle-là. Mais je confirme, j'apprécie. Playing the Good Samaritan, Rodan. How dreadfully noble. We gotta talk. Ce qui vient de lui casser la... Ce qui vient de lui lancer dans la gueule. Ok, là c'est la fin de la première mission. On ne sera pas mort. Mettre en ligne. Non. Bon, les musiques là, pour le moment, c'est très cool. Dans la même vibe que celle du 1 et du 2. Plutôt sympa. Chapitre 1. En quête de réponse. Oui, on en a besoin. Parce que je pense que moi, comme les viewers, on a beaucoup de questions actuellement. Aidez-nous. Aidez-nous. Est-ce qu'on peut avoir un stage où on avance normalement Ok. Ah, toujours cette musique. C'est la même que celle du 1. Je crois. Ouais, c'est la même que celle du 1. Maintenant, le prologue était long, mais pas mou. En vrai, ça va. C'est loin d'être mou, mais c'était long. Il y a eu 75% de cinématiques, en fait. Mais bon, évidemment, ce sera pas comme ça dans la suite. After all, he still hasn't paid that tab. We'll be cool down here for a little while. Ouah, non mais... Ouah, le badass! You mean those weren't your playmates? Not my type. Although I did try shaking hands. Those things ain't for Paradiso. Or Inferno. They're locals. In other words, they're part human. What? Les ennemis de celui-ci sont humains? They're homunculi. Man-made bioweapons. How about you tell us who you are first, Miss... Viola. Bayonetta, I'm... Dis-moi en plus. Never mind. Look, we don't have time. If we don't... Il fume comme Jotaro, quel badass. Non mais mec, son briquet, c'est son pouce. And so you just led them right to us. C'est dégueulasse, c'est pas très Covid friendly ça. Tu l'avais sucé cette sucette avant là, c'est dégueulasse.
it? We've got to hurry. Bayonetta. Jean. Oh, les microbes. You both have to help. Moi, je la veux bien, Sly Cud, Sly Cud. Why do you know our names? Toi, elle s'est crue dans Black Lagoon. Well, in the world I'm from, ouais, c'est notre dimension. Mais dans ta dimension, du coup, ils ont pas de coiffeur. But it's gone now. Along with you and you. And everything else. The homunculi are tearing through the multiverse. Alors ça c'est pas très gentil. Mais si, mais si. Multiverse. On the off chance you're not insane, what do they want? Hold up. This could be serious. C'est quoi le truc qui bouge derrière Senzo? If what you're saying is true, then this ain't just a human problem. Within the trinity of realities, the world of chaos is actually made up of countless universes, all stacked up together. That's the multiverse. If someone's wiping those universes out, one by one. No, wiping out doesn't quite explain it. They're breaking the multiverse down, trying to fuse it together. Et c'est pas bien? Like running thinly sliced wagyu beef through a grinder to make a big old juicy burger. And if they can pull it off, they'll get their hands on enough power to wipe out the whole. Doucement, j'avais juste demandé une grenadine, hein. J'avais juste demandé un diabolomante, frère, calme-toi. Le BioVerse bientôt crossover avec Travis Touchdown. Ah, Bayonetta et Travis, ouais, ce serait quelque chose, hein. Mais bon, ça va. S'ils faisaient équipe tous les deux, ce serait assez ouf, quoi. And what do you expect us to do? Right. There are two things we have to do. Oh, la qualité du barman. I want you to find a scientist named Sigurd. He's somewhere in this world and he can help us. And Bayonetta, I want you to come with me to help find more of these. This is a chaos gear. The key to beating singularity. Elle s'en bat les couilles. The only one who knows how to use them is Dr. Sigurd. Ah, c'est pas du tout Enzo, c'est quoi cette merde là? Without both of them, we can kiss. Ah oui, elle en a rien à foutre, Bayonetta là, elle s'en bat les couilles. Well, since solitaire in a literal man cave isn't exactly riveting, I suppose I'll be your chaperone. That will help restore some sanity. Right? We'll have a bit of girl talk along the way. Okay. So anyway, Viola. You gonna introduce me to this thing or what? Chouchou. Ça, c'est un nom charismatique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est un chat. Qu'est-ce que. Putain, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe, bordel? Ok, ça y est, Chouchou, meilleur personnage du jeu, c'est bon. C'est bon.